Allô tout le monde! J'espère que vous allez bien, donc re-bienvenue sur ma chaîne. Puis aujourd'hui, je suis vraiment énervée parce que là, je filme avec une nouvelle lentille et un micro. Fait que je suis vraiment énervée, j'ai hâte de voir ce que ça va donner comme résultat. Puis je suis vraiment énervée aussi parce que ça fait pas longtemps que je vous ai pas vu, que je vous ai pas parlé. Fait que comme vidéo aujourd'hui, j'ai décidé de faire un Get Ready With Me. Fait que ça va être mon maquillage de tous les jours, là, quand que... j'ai rien de spécial. En même temps, je voulais vous faire une annonce vraiment énervante, qu'il y en a plusieurs seulement qui le savent déjà, ou peut-être pas. Fait que si ça vous intéresse, bien continuez à regarder. Ok, donc premièrement, là en ce moment, ma peau elle a vraiment des problèmes. Ça va pas bien. J'aime vraiment mettre mon huile de Josie Maran. C'est la light, fait que, parce que j'ai vraiment la peau sèche. Mais là, en ce moment, elle est comme luisante un peu. C'est bizarre, ma peau, là, honnêtement. Là. Ma peau est pas sèche, elle est déshydratée. C'est ça, la part. Fait que j'en mets pas beaucoup. Et je viens l'étendre partout. C'est ça, ma peau est déshydratée. Fait que c'est comme plus que sèche, là. Fait que si ça avait des produits à me conseiller, honnêtement, là, je suis vraiment désespérée, là. Genre, cette huile-là, ça fonctionne bien, mais le lendemain, ma peau est aussi sèche, là. Fait que... genre, ça me prend vraiment quelque chose, là, parce que là, là, je vais avoir des rides dans pas long, même que j'en ai déjà, je pense. Donc, pendant que ça, ça pénètre dans ma peau, je vais vous parler de quelque chose de vraiment excitant. Genre, full, full, full. Donc, depuis quelques mois, je travaille sur un projet personnel que j'ai décidé de lancer parce que depuis toujours, je me suis dit que j'allais faire ça. J'ai lancé ma marque de vêtements unisexe. Je suis genre vraiment énervée là. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et comme vous pouvez voir en ce moment, c'est ça ici. Donc ça s'appelle Colton. Ça, c'est un des chandails que je porte, chandail manche longue. Puis je voulais vraiment, ça fait vraiment longtemps que je me dis, moi un jour, je vais avoir ma marque de vêtements. C'est sûr à 100%. Puis là, dans les derniers mois, j'ai travaillé vraiment fort là-dessus. C'est vraiment dur, mais ça prend de la persévérance, de la détermination. Puis moi, j'étais vraiment déterminée à réussir. Fait que là, j'ai officiellement lancé la semaine passée mon site internet. Mes produits sont en vente, donc je vais vous laisser tout dans la barre d'infos. Donc ça s'appelle Colton, puis le site internet, c'est coltonclothing.ca. Donc... vous irez voir ça, vous direz ce que vous en pensez. Puis honnêtement, au début, je voulais lancer une marque de linge pour hommes parce que j'étais vraiment inspirée, genre vêtements hommes, je sais pas pourquoi. Puis je me dis que les gars, ils ont tellement pas de place où magasiner, là. Il y a tellement pas beaucoup de magasins, genre il y a pas de choix pour eux, là. Fait que j'étais comme, let's do this. Puis là, en travaillant là-dessus, je me suis rendu compte que mes vêtements, ben, c'était plus unisexe. Comme, moi, j'aime full ça, des vêtements, genre, des t-shirts loose, des cotons à tes loose, full confo. Genre, pour vrai, j'aime vraiment ça. Fait que c'est sûr que c'est un style plus, pas tomboy, là, je dirais, là, parce que tu peux le prendre plus petit puis il va faire comme serrer le t-shirt. Mais tu sais, c'est pas rien. En regardant la marque, tu te dis pas, ah oh, ouais, c'est vraiment pour filles. Non, c'est unisexe. Fait que l'avantage de ça, ben, si tu vas acheter un coton watté, ben, tu vas pouvoir le prêter à ton chum. Ou vice-versa. Vous allez voir, mon maquillage, c'est vraiment pas compliqué. Là, j'ai mis le Age Rewind Concealer. C'est vraiment pas long, moi. Fait que je sais même pas si j'aurai le temps de vous dire tout ce que je veux dire. Après ça, je prends le bronzer de chez Rimmel Sun Shimmer dans la couleur 2. Avec un gros pinceau comme ça. Donc, c'est ça, je suis vraiment contente, genre j'ai travaillé de A à Z dessus, genre je suis partie de rien. Puis je me suis lancée, puis je me suis débrouillée, comme je suis quand même fière de ce que ça a donné honnêtement là. Puis comme je remercie ma famille et mes amis qui m'ont full supporté, genre c'est les seuls qui le savaient tout le long de mon processus, comme mes amis proches puis ma famille. Sinon personne ne le savait, fait que quand je l'ai annoncé sur mon Facebook personnel, genre comme les réactions ont été folles. Genre personne ne s'attendait à ça. Puis comme, honnêtement, le premier jour que j'ai lancé mon site, j'ai eu 500 visites sur mon site. Je capotais, sérieusement, là. Genre, c'est malade, là. Fait que, en tout cas, je suis vraiment énervée de tout ça, mais faut pas trop m'emballer vite, là. Genre, faut
va voir si ça va fonctionner, puis si ça va aller loin, mais en tout cas, j'espère vraiment, là, je serais vraiment contente parce que c'est comme un rêve un peu réalisé, puis comme, je sais pas quoi faire dans ma vie, puis je suis sûre que je suis pas la seule qui sait pas quoi faire dans sa vie, puis je suis rendue à 24 ans, puis ma passion, je me suis rendue compte que c'est vraiment à la mode, le marketing, le business, puis tout ça combiné ensemble en faisant des vidéos YouTube, genre honnêtement, ça serait mon dream de pour genre de succéder. Non, ça se dit pas. De succéder, mais en français. De réussir dans ce domaine-là. Genre en faire une carrière. En tout cas, je vise vraiment loin là, pour ma marque de linge. J'ai comme vraiment. Genre, j'ai des gros objectifs pour ma marque. Mais je suis sûre que genre ça va marcher. Je vais réussir. Honnêtement, là. Ça, c'est le blush de chez La Marque Personnelle. Honnêtement, je l'aime trop, là, puis il coûte comme 3 piastres, je pense. Pour vrai, je suis vraiment énervée. Fait que vous irez voir si vous voulez m'encourager. Comme, je serais full contente. Puis c'est vraiment confortable. C'est ça en premier que je voulais, puis c'est qualité. Comme, il y en a que peut-être ça va être pas dans leur budget, mais je vous dis que les cotons mattés sont ultra confort, puis sont qualité. Puis toutes les chandails, les t-shirts sont vraiment qualité, là. C'est pas cheap du tout. Fait que c'est peut-être ça qui fait la différence, que le prix est peut-être un petit peu plus cher. Mais en même temps, non, parce que je regardais la concurrence, puis c'est à peu près dans les mêmes prix, je vous dirais, là. Mais c'est sûr que c'est pas dans le budget de tout le monde, puis ça, je comprends aussi, là. Mais bref, vous irez jeter un petit coup d'œil, genre, je vais tout mettre les infos dans la barre d'infos. Puis, j'ai la page d'Instagram aussi, de ma marque de linge. Et aussi, je suis trop contente parce que mes amis, puis mon frère, ma soeur, ils m'ont full aidé. Genre, c'est comme mes mannequins de ma marque. Ils représentent bien ma marque. Fait que je suis contente pour ça. Genre, j'avais du monde qui m'ont aidé pour ça. Parce que sans eux, j'aurais pas de site internet, puis j'aurais rien, là. J'aurais genre rien comme pour promouvoir mes items pis tout, fait que je suis vraiment contente de tout ça. Je voulais vous faire aussi un petit message, genre de pas vous décourager si jamais vous êtes à un point que vous savez pas quoi faire, parce que même moi encore, je sais pas ce que je veux faire de ma vie. Ben je sais ce que je veux faire de ma vie, mais je sais pas si ça va marcher, t'sais. J'ai trouvé mes objectifs et mes buts, mais longtemps j'ai cherché, genre jusqu'à, mettons, l'hiver passé, là, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire dans ma vie, genre, aucune. C'est en mai dernier que j'ai eu l'idée de ma marque de linge, puis de comme me lancer. Donc ne vous découragez pas. Je sais, un jour vous allez trouver ce que vous voulez vraiment faire, puis peu importe, vous allez vraiment faire quelque chose que vous aimez. Comme moi, ça me stressait parce que je me disais, aïe, je vais avoir 25 ans, je sais pas ce que je veux faire dans ma vie, genre qu'est-ce que c'est que ma vie. Puis j'étais full stressée, puis après ça je me suis dit, gars, faut vraiment pas que tu stresses avec ça, parce que peu importe, tu vas faire quelque chose que tu vas aimer plus tard, c'est sûr. Parce que quand on suit genre notre cœur puis notre instinct, là, genre ça fonctionne. Honnêtement, là, j'ai suivi genre mon instinct que je ressentais en dedans de moi, là. Puis je suis allée. Puis je me suis lancée, puis c'était un risque à prendre, là, je veux dire. J'ai déboursé beaucoup d'argent, là, en partant dans ce projet-là. Puis je savais pas si ça allait marcher ou pas, puis je sais encore pas si ça va marcher ou pas. Comprenez? Mais j'ai pris un risque, puis je me suis dit, c'est quoi l'argent en envie, honnêtement? Comme, c'est quoi la valeur de l'argent? Est-ce que, genre, tu vas t'empêcher de quelque chose parce que ça coûte trop cher, puis tu passes peut-être à côté de quelque chose qui va marcher ou que t'aurais aimé, genre, tu sais, je veux dire. Je me dis, ok, si ça marche pas, ben j'ai perdu l'argent, puis qu'est-ce que je te dis? Genre, ça va être autre chose après que je vais faire, puis c'est tout. Fait que, honnêtement, là, genre, lancez-vous, puis poussez-vous, puis genre, je veux savoir dans les commentaires, moi, c'est quoi vos passions, puis votre plus grand rêve, genre, de vie. Comme, c'est quoi vos objectifs, vos buts? Je veux vraiment savoir, comme, j'aimerais ça interagir avec vous dans les commentaires. Fait comme, écrivez-moi dans les commentaires, comme, votre plus grande passion, votre dream job, peu importe ce que vous voulez vraiment accomplir. J'aimerais vraiment ça savoir. Pour mes sourcils, j'ai utilisé le Brow Stylist Definer de L'Oréal. Je trouve qu'il va bien, là. Honnêtement, guys, c'est genre ça, mon make-up. J'ai utilisé 5 produits. Non, mais
c'est rare que je me maquille vraiment des gros make-up, à part quand genre, ça me tente de me faire un eyeshadow, mais pour le visage, je mets jamais de fond de teint, vraiment. Donc, lâchez pas tout le monde, puis poursuivez vos buts de vie. Parce que, écoute, on a juste une vie à vivre. Honnêtement, là, moi, j'ai tellement réalisé ça ces temps-ci, là. On a une vie à vivre. Genre, ce que tu fais en ce moment, là, genre, demain, ça va être déjà du passé. Fait que je veux dire, le temps, là, c'est tellement important, puis comme, c'est précieux, là. Fait que, utilise ton temps pour faire les choses que tu aimes, puis perds pas ton temps, genre, comme, si t'as peur de quelque chose, de te lancer dans quelque chose, t'as peur, puis ça te retient, puis pendant des mois, genre, tu le fais pas, honnêtement, tu vas regretter, genre, parce que ce temps-là va être passé, puis quand tu vas avoir, comme, 40 ans, tu vas dire, aïe, que j'aurais dû, mais faut pas que tu dises ça, genre, faut que tu, à 40 ans, tu dises, hey, moi, quand j'étais jeune, là, j'ai fait ça, 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 puis genre, je regrette rien, puis j'ai essayé, puis faut que tu le fasses. Après, ça fait des tellement beaux souvenirs à raconter, puis tu seras pas là à 40 ans à dire, je regrette tellement avoir su, moi, j'aurais fait ça comme job, mais pourquoi tu l'as pas fait? Genre, pourquoi? Fait que, moi, je vous dis, là, lancez-vous. C'était mon petit, mon petit talk de motivation, parce que moi, c'est ça que ça m'a pris, genre, pour me pousser. Puis je suis vraiment contente de l'avoir faite, puis who knows, peut-être que ça marchera pas mon affaire, là. Peut-être que Carlton dans un mois va faire faillite, là. Non, peut-être pas, là, mais tu sais, vous comprenez ce que je veux dire, là. Je me suis vraiment pitchée dans le vide, mais regarde, si je l'avais pas fait, j'aurais regretté. Fait que c'est ça. Puis j'aimerais ça filmer une Q&A sur Carlton. Si vous avez des questions comme sur le cheminement, comment j'ai parti ça, c'est quoi exactement, ça vient d'où le nom, peu importe, n'importe quelle question, je vais vous les marquer genre dans la barre d'infos. Puis prochaine vidéo, j'aimerais ça filmer une Q&A sur ça, ou peu importe, genre, vous pouvez poser d'autres questions aussi comme sur ma vie en général. Fait que laissez ça dans les commentaires. Puis c'était vraiment pas long mon make-up là, je suis vraiment désolée, c'était pas un tutoriel pantoute, mais c'est juste parce que je voulais pas juste m'asseoir devant vous puis vous parler, je voulais vraiment comme me maquiller en même temps. Puis étant donné que j'ai des cils aussi, une étape de moins le mascara. Donc c'est ça, je vous aime beaucoup, puis continuez, lâchez pas et persévérez. Et puis nous, on va se revoir dans une prochaine vidéo. Bye! What you gonna do with that dessert? Do what?